Alors, il y a un numéro 19, donc les trois suivantes, il n'y aura pas de vote, c'est juste des prises d'actes. Merci, monsieur le maire. Présentation du rapport annuel d'activité 2018 de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-39, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2019, prenant acte de rapport annuel d'activité 2018, considérant que le président de l'EPCI doit adresser au maire de chaque commune membre un rapport annuel d'activité retraçant l'activité de l'EPCI, accompagné du ou des comptes administratifs, considérant que ce rapport doit être présenté par le maire au conseil municipal lors d'une séance publique, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport annuel d'activité 2018 de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Délibération suivante, numéro 20. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l'assainissement non collectif. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D2224-1 à D2224-5, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2019, présentant et adoptant ce rapport, considérant qu'un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport annuel sur les prix et la qualité du service d'assainissement non collectif. Alors, juste une précision pour ce rapport-là, il est évidemment épluché par les services de la communauté de communes. Et suivant aussi sur la délégation de services publics sur l'assainissement, pour vérifier que, évidemment, tout est bien conforme au marché qui est passé. C'est en ce sens que, après, le conseil communautaire délibère, enfin, prend acte que le rapport correspond bien à ce qui est demandé aux délégataires. Last but not least, le dernier, présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l'assainissement collectif. Vu le Code général des collectivités territoriales, j'ai comme l'impression que c'est le même nom. Non, c'est pas le même. C'est pour l'assainissement collectif. D'accord. Sur la vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D2224-1, D2224-5, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2019, présentant et adoptant ce rapport, considérant qu'un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif. Ok, merci Tiziane.